Hola, hola, hola! Tout le monde syndical, j'espère que vous allez bien, moi pour ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo, ça sera un nouveau débrief, le deuxième de ma chaîne, sur les huitièmes de finale aller entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. Paris, bon, qu'est-ce que je vais dire de Paris? Paris, c'est bien de faire les malins en Ligue 1, mais quand c'est en Ligue des Champions face à des vraies équipes, là, ça fait moins les malins. Parce que ça s'appelle les Parisiens, mais en vrai de vrai, vous ne méritez pas d'appeler les Parisiens. Vous méritez d'appeler les Parisiennes. Parce que c'est ce que vous êtes en vrai. Vous êtes des Parisiennes. Des vraies Parisiennes. Parce que quand ça joue en Ligue 1, ça fait les bonhommes, bonhommes. Mais quand ça joue en Ligue des Champions, ça se fait pipi dessus. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, hein. Parce que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup les malins, ce que j'ai remarqué. Mais quand tu te prends. Quand tu fais un 1-1, tu devrais tenir le score. Une minute après, Erling Haaland, il t'a mis un deuxième but, ouais. En lucarne, carrément, la balle, elle en avait marre des cages. Eh, hey, t'es allemand, toi? Arrête de raconter ta vie, toi, là! Allez, Paris! Rien du tout, vas-y, vas-y, vas-y. Vous méritez même plus d'appeler les Parisiens, mais des Parisiennes, n'importe quoi. Bref, je disais quoi? Carrément, quand Haaland, il a mis la lucarne dans les cages de Navas, tellement que la balle en avait marre des cages de Paris, et bah, leur sortie directe. Quand même les objets, même les ballons, ils en ont marre des Parisiens. Franchement, vous, les Parisiens, c'est. En plus, vous faites 4-4 face à Amiens. 4-4. Non, mais 4-4. Le dernier match de préparation face à Ligue des Champions, avant Ligue des Champions, vous faites 4-4 face à Amiens. Amiens. C'est dans le Nord. Le sport le plus pratiqué à Amiens, c'est la cultivation des champignons. Amiens. Amiens. Dortmund, ils ont mis 4-0. 4-0. 4 à 0, 4 à 0 à Francfort. Francfort. Et vous faites 4-4, 4-4 face à Amiens. Amiens. Non, franchement, faut vous réveiller, les Parisiens. Non, mais en vrai de vrai, faut vous réveiller. Moi, je suis pas allemand, je suis pas pour Dortmund. Hein. Moi, je suis pour le Barça. Mais juste, j'aime pas Paris. Et franchement, là, Dortmund, ils ont montré que c'était eux les vrais bonhommes. Ils ont montré que c'était eux les vrais bonhommes. Parce que. Franchement, là, faire je sais pas quoi là. Paris, là, faire je sais pas quoi là. Franchement. Non, non, non. Ah là là. Paris, en vrai de vrai, vas-y. Les Parisiennes. Je vais plus les appeler Parisiens, je vais les appeler les Parisiennes. Franchement, Paris. Tous les ans, vous sortez en huitième. Tous les ans. Bon, là, c'est pas encore fini parce qu'il reste le match retour. Mais. Excusez-moi, désolé, ça a coupé, j'ai eu un problème de caméra. Bref, je disais, tous les ans, vous vous faites sortir en huitième. Déjà contre nous, le Barça, vous avez gagné 4-0 chez vous, vous prenez 6-1 en retour. Ensuite, face à Manchester, à Old Trafford, vous mettez 3-0 à l'aller et vous prenez 3-0 au retour. Arrête de raconter ta vie, toi! Oh, l'écoutez pas, c'est un hooligan, c'est un hooligan. Mais tous les ans, vous faites sortir un huitième. Tous les ans. Tous les ans. Vous avez pas marre un peu? C'est une habitude de truc en huitième, quoi. C'est une habitude. Vous pouvez même pas aller en quart. Carrément, vous rentrez en quart. Vous rentrez en quart chez vous. Vous allez même pas en quart. Vous rentrez en quart chez vous. Oh, c'est pas possible, là, les Parisiens. Faut prendre une nouvelle résolution. Parce que Thomas Tuchel, Tuchel. C'est plus Haaland, c'est François Hollande. En tout cas, François Hollande, il vous a mis un doublé. Hein. Thomas Tuchel, Tuchel, je sais pas comment il s'appelle. Tu quittes Dortmund l'été, tu quittes Dortmund. Écoutez-moi bien. Tu quittes Dortmund pour aller au Paris. Thomas, je vais te fumer ton débrief. Ah, le Paris! Pour aller à Paris. Mais après, quand tu vas à Paris et que tu. Remarque qu'en 8ème, t'affrontes Dortmund. Ça serait même de battre l'équipe auquel t'es parti. Eh ben non, tu te prends un 2-1, sale victime que t'es, ça. Bolos, bouffon. C'est quoi cet entraîneur? Neymar, H24, il est par terre. H24, il est par terre. Oh, ça c'est Neymar. H24, il est par terre. H24. H24, il est par terre. H24, oui. Il tombe plus qu'une télécommande, qu'une manette de Play 4, que tout. H24, il est par terre. C'est. Eh, faut te réveiller, Neymar. Hein. Après, Mbappé aussi, ça fait le malin, ça fait le malin. Mais quand t'es face à Dortmund,
Tu sais même pas faire un passement de jambe. Tu sais même pas faire un passement de jambe. Et en plus, je viens d'apprendre quoi il y a pas longtemps? Apparemment, le père de Erling Haaland a dit... Mais tais-toi un peu, là. Vous avez vu comment ils sont les Parisiens? C'est des Parisiens, c'est des Parisiennes. Bref. J'ai appris que le père de Erling Haaland a dit que Mbappé, c'était l'idole de son fils. Mbappé, idole de Haaland. Arrête de raconter ta vie, là. Idole de Erling Haaland. Ok, mais si Haaland, son idole, c'est Mbappé, et que Haaland met un doublé face à Paris, et que Mbappé met zéro but, faut se poser des questions, hein, parce que si ça, c'est une idole, ça fait un peu peur, quoi, ça fait un peu pitié, hein, parce que, ah ouais, c'est chaud quand même, c'est chaud, 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 hein. Ouais. Bon, bah moi j'ai plus d'autres choses à dire à part que bah, Paris, franchement, vous avez été nul aujourd'hui. Là, le prochain match d'un club français en Champions League, c'est Lyon face à la Juventus. Bon, je pense que la Juventus, ils vont pas. Arrête de raconter ta vie, on t'a dit, toi. Arrête de raconter ta vie, on t'a dit, toi. Arrête de... La caméra, elle est tombée. Bref, voilà. Bon, le débrief est terminé. Si ça t'a plu, n'hésite pas à commenter, à partager, à liker et surtout aussi à t'abonner. Active la cloche des notifications pour être au courant de toutes sorties de vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, surtout aussi pour un nouveau débrief peut-être. Adios.